Bonjour, je m'appelle Gilles Épier. L'un des plus grands défis pour un chef, c'est de savoir se renouveler tout en conservant son identité, sa signature. Quand j'invente une recette, il y a donc quelques principes auxquels je me tiens systématiquement. La qualité du produit, la cuisson du produit, l'assaisonnement du produit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon univers culinaire que je veux inventif et généreux, celui que mes clients viennent trouver dans mon restaurant depuis toujours et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Alors, comment crée-t-on un menu? C'est assez simple. Le budget, la saison, les amis et surtout votre goût. Alors aujourd'hui, dans notre menu, nous allons faire des petites moules que j'ai trouvées au marché ce matin, qu'on va accompagner avec des cocos. On va en faire une petite salade, on va mélanger les trois saveurs en même temps. Et comme c'est un plat qui ne coûte pas très cher, on va pouvoir se faire plaisir sur le plat principal. Et aujourd'hui, j'ai acheté des côtes de veau, un petit peu épaisses. Alors la côte de veau, excellente, avec des petits légumes à la française. Et encore une fois, avec un petit truc en plus qui fera la différence, surtout au niveau de la saveur des légumes et de la combinaison entre les légumes, le veau et le jus. Et nous terminerons avec un pain perdu, recette traditionnelle que tout le monde sait faire, plus ou moins bien d'ailleurs, que l'on servira avec des fruits rouges et une petite boule de glace vanille. Tout d'abord, on va commencer par cuire nos haricots. Alors, les haricots, lorsqu'ils sont secs, l'idéal, c'est de les faire tremper la veille. Lorsqu'ils sont frais, on les cuit directement. Et là, il n'est pas nécessaire de les faire tremper. C'est assez rapide à cuire lorsqu'ils sont frais, à peu près une 25 minutes. Et lorsqu'ils sont secs, il faut compter, disons, une heure et demie. Donc je démarre mes haricots, je vais ajouter tout de suite, dès le départ. Alors on met toujours de l'eau froide dans les haricots, c'est très important. Pas d'eau chaude, on met le petit bouquet garni. On va ajouter en garniture de mes petits cocos. Alors un oignon coupé grossièrement en 4 ou 6, c'est pas très important. Une petite carotte qui va nous donner un équilibre avec la cuisson, très important quand même. Voilà. Et alors, il y a une chose qu'il faut faire, surtout, il ne faut pas mettre de sel dans nos cocos pour la simple et bonne raison qu'il y a une réaction chimique et les cocos ne cuiront pas. Donc surtout, surtout, ne mettez pas le sel. Le sel, il faut le mettre seulement en fin de cuisson, une fois que les haricots sont cuits. Maintenant, un petit peu de poivre. Et là, on cuit tout doucement nos cocos pendant une heure et demie à peu près. Maintenant, on va passer à la cuisson de nos moules. Celles-ci, elles sont déjà lavées. J'ai déjà lavé les moules, mais il y a une chose importante dans les petites moules. Il y a une petite barre comme ça qu'il faut enlever. N'hésitez pas à les laver 3 fois, voire 4 fois, tant que l'eau sera un peu sale. Il faut continuer à les laver. Pourquoi? Parce que c'est le sable qui s'en ira de vos moules. Alors, pour cuire nos moules, et donc je rajoute du vin blanc dans mes moules. Voilà. Un petit peu d'eau fraîche dedans. Très important que le vin blanc, ce soit du vin blanc sec. Parce qu'on va faire un plat qui aura beaucoup de personnalité. Il faut que le bouillon soit bien sec. Un peu de poivre. J'ai mis 2 petites feuilles de laurier. Très important pour le parfum. Et là, je démarre mes moules. Je vais les laisser cuire pendant à peu près 5, 6, 7 minutes en les mélangeant régulièrement, de façon à ce que toutes les moules puissent s'ouvrir en même temps. Donc là, maintenant, je vais attaquer ma mayonnaise, un torchon, que je vais d'ailleurs humidifier, parce que ça va empêcher le bol de bouger pendant que je fais ma mayonnaise. C'est plus facile, c'est plus pratique en tout cas, pour pouvoir travailler. Alors, pour 1/4 litre d'huile, il faut 1 jaune d'œuf. Ne mettez surtout pas trop de jaune d'œuf, auquel cas, la mayonnaise, elle pourra jamais être serrée. Être serrée, ça veut dire que c'est l'équilibre entre l'huile, le vinaigre et le jaune. Alors pour faire une bonne mayonnaise, il faut surtout avoir des bons bras. Ce qu'on fait d'abord, on bat nos jaunes. Un peu de sel, un peu de poivre. On assaisonne dès le départ. Un petit filet de vinaigre. Alors, il vaut mieux rajouter du vinaigre au fur et à mesure. Si vous en mettez trop, jamais vous pourrez rattraper. Si vous n'en mettez pas suffisamment, vous pouvez toujours en rajouter au fur et à mesure que vous montez votre mayonnaise. Donc là, je vais mettre moi aussi un petit peu de moutarde. Alors dans la vraie mayonnaise, il n'y a pas de moutarde. Quand on ajoute de la moutarde, ça s'appelle une rémoulade. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ça meilleur avec la moutarde. Donc mettons de la moutarde. Alors, maintenant, on va monter ça doucement. Inutile de s'énerver.
Je mélange et je mets mon huile sur le bord du bol comme ça. Et je mélange énergiquement. Et quand elle commence à prendre, là on voit qu'elle commence à prendre, voilà, il faut arrêter pour serrer, comme ça au moins toute l'huile est absorbée dans la mayonnaise. Et si jamais vous voyez qu'elle commence à briller la mayonnaise, c'est parce qu'il manque du vinaigre. Le vinaigre va rendre l'équilibre entre l'huile, le jaune et le vinaigre. Hein. Alors là on la voit, là, elle commence à briller un peu, tac. Une petite goutte de vinaigre et ça revient tout de suite, d'accord? Alors ça, cette petite mayonnaise, elle va nous servir de base. Elle va nous servir de base pour finir notre salade de moules. Et j'utiliserai un petit peu de jus pour détendre ma mayonnaise et assaisonner après mes cocos avec mes moules. Il faut les mélanger, les moules, hein. Vous voyez, elles sont belles, là. Là. Alors très important, d'abord, il faut les mélanger pour qu'elles cuisent régulièrement. Deux, il ne faut pas trop les cuire. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que quand vous épluchez vos moules, quand il y a des moules ouvertes, ne les mettez pas, achetez-les, ça veut dire qu'elles sont mortes. Il faut faire très attention à ça. Le temps de finir mes moules, je les décoquille et on se retrouve après. Le plus long dans cette recette, c'est la cuisson des cocos et le plus compliqué, l'épluchage des moules. Choisissez des moules de bonne qualité avec la coque bien fermée et n'oubliez pas de les laver plusieurs fois à l'eau froide. Après qu'on ait débarrassé nos moules et qu'on les ait épluchés, on va passer notre jus. Alors pour passer le jus de moule, il faut faire très attention. Parce qu'on ne met pas le fond, hein, pour ne pas prendre de risque. Et là, on a beaucoup de jus, là, parce que les moules rentrent beaucoup. Et maintenant, je vais préparer un peu de ciboulette et un peu de persil pour la finition. Aussi bien pour le goût que pour la couleur. On va ciseler le persil. Ciseler, c'est un bien grand mot. On va surtout le couper. J'aime pas beaucoup le persil haché. Et je l'aime pas beaucoup non plus quand c'est trop régulier. Le mieux, c'est d'avoir des morceaux plus ou moins bien coupés. Ça donne beaucoup plus de vérité à notre recette. Un bol pour mélanger nos moules et nos cocos. Je mets mes moules. Voilà. J'ajoute mes cocos. Alors là, nos cocos sont tièdes, mais s'ils sont froids, c'est pareil. Hein. Alors, si vous restez des cocos, surtout, laissez-les dans le bouillon. Parce que sinon, autrement, ils vont durcir, ils vont noircir, ce ne sera pas beau. Et là, j'ajoute mon persil. Je mélange. Ah, vous voyez, le côté sympa, c'est qu'il n'y a rien d'exact, il n'y a rien de taillé. C'est un peu taillé comme un amateur. C'est ça l'intérêt de la recette. Comme si on arrivait de la pêche, là, et qu'on vient de le mélanger. Je vais ajouter quelques petits bâtonnets de ciboulette, comme ça. Voilà, qui va donner une petite acidité à notre recette. Là, je prends mon jus de moule, ici, et j'ajoute mon jus de moule dans ma mayonnaise. Alors cette petite sauce là, jus de moule mayonnaise, vous n'êtes pas obligé de la faire qu'avec cette salade. Vous pouvez utiliser ce petit secret pour autre chose. C'est juste une nouvelle vinaigrette en fait, vous voyez? Ça fait comme une sauce, comme si on avait mis de la crème, comme si on avait mis du beurre là-dedans. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a que notre mayonnaise. Voilà. Et là, je mélange. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est du gourmand, ça. C'est du gourmand. Et le dressage. Alors très simple, bien sûr. Un petit dressage. C'est pas la peine de remplir complètement le bol. Voilà notre petite salade de moules au coco frais, assaisonnée avec une petite mayonnaise au jus de moule. Et maintenant, nous allons faire notre plat principal, qui est la côte de veau avec les petits légumes à la française. Alors pour ce faire, il faut bien évidemment une côte de veau. Voilà, une belle côte de veau. Bien française, bien belle, bien rose. Une poitrine de lard cuite. Des parures de veau. J'ai demandé à mon boucher qui me conserve les morceaux d'os, ici, pour nous servir à faire le jus. Et maintenant, nos légumes, des petits pois, des mini carottes comme ça de saison, des haricots verts, des petits pois mange-tout, des petits navets, des pâtissons, une laitue. Et il nous faudra également un peu de vinaigre de xérès. Alors, on va commencer par le jus. Le jus, pourquoi? Parce que c'est le plus long. Ça va nous prendre à peu près 90 minutes. Alors, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de demander à votre boucher de bien garder les os et les petites parures de votre côte de veau. Je mets mon huile. Il faut en mettre suffisamment quand même, parce que de toute façon, après, on va dégraisser notre casserole. Et alors, l'intérêt, quand on fait ça, c'est que tous les sucres qui sont contenus dans la viande et dans les petits morceaux d'os,
ben ça va se coller, on va déglacer tout ça avec un peu de vinaigre, on va le mouiller à l'eau tout simplement et on va le laisser cuire. Attention surtout de ne pas se brûler parce que des fois ça peut péter. Plus c'est chaud, moins ça pétarade de tous les côtés et moins on a de chance de se brûler. Voilà, on voit bien que l'huile là, elle commence à fumer. Et là, on laisse chanter comme ça. On sent bien d'ailleurs le parfum du veau. Alors moi j'aime dans cette recette le veau parce que ça nous permet d'avoir avec les légumes des saveurs totalement différentes que ce qu'on pourrait trouver avec une autre viande. Le veau, c'est un produit exceptionnel, surtout lorsqu'on travaille des produits français. Alors j'ai ici de la poitrine de porc fumée cuite. Et ce lard fumé cuit va nous servir à assaisonner nos légumes à la française. Il faut prendre son temps hein, quand on veut faire un bon jus. Parce que quand on veut faire de la bonne cuisine, ça prend du temps et de la patience. Et là maintenant, je vais faire bouillir de l'eau. Cette eau va nous servir à cuire nos légumes. Alors, saler mon eau, quand on cuit des légumes, il faut toujours bien saler l'eau, c'est très important. Autrement, les légumes n'auront pas de goût, bien évidemment. Et rajouter du sel après, ça ne donne pas la même chose. Faisons bien les choses comme il faut dès le départ. Donc là, on voit bien que les petits morceaux de veau commencent à caraméliser. Il y a une particularité avec le veau, c'est qu'il y a un goût sucré qui se dégage quand il est bien rôti comme ça, qu'on trouve sur aucun autre animal. Des petites carottes qu'il faut passer à l'eau, ici, et ensuite, il n'y a pas besoin de les éplucher. Moi, je suis pour utiliser les légumes le plus naturellement possible. Donc là, on les a lavés, il n'y a pas de sable dedans, surtout quand c'est des petites carottes comme ça de printemps. Printemps-été, il faut se faire plaisir. Non seulement on gagne du temps, mais au niveau saveur, c'est nettement meilleur. Je vais rectifier, couper ça un peu. Un petit peu pour ce du bout, là, que ce soit joli. Ici. Donc voilà, nos carottes finies. Là, je vais utiliser des petits pâtissons que l'on va faire cuire également à l'eau bouillante salée. Les navets. Là, il faut faire attention dans les petits navets d'été. Parce qu'on ne les épluche pas. Alors, certaines personnes les épluchent. Moi, je ne les épluche pas parce que j'aime bien garder, un, la couleur et deux, la saveur. Les haricots verts, sur lesquels on a envie juste le petit pédoncule en haut, là, comme ça. Et on a gardé la queue. Alors, pourquoi on a gardé la queue? Parce qu'on dit souvent qu'il faut éplucher les haricots verts, enlever les queues, etc. Si on est obligé d'enlever ça, c'est souvent parce que le haricot vert est soit trop gros ou soit pas suffisamment frais. C'est en vieillissant qu'il développe des fils. Donc, les haricots verts où il y a des fils, c'est souvent qu'ils ne sont pas frais. Donc là, ce n'est pas notre cas. Nous, on est extra frais. On a notre salade ici. Je suis très content de remettre la salade de laitue dans notre recette. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ou très peu, la laitue. La laitue est partie un peu aux oubliettes. Donc là, moi, on va la remettre en vie, notre laitue. Parce que c'est une très bonne salade. J'épluche mes petites feuilles. Alors, je ne vais pas en mettre de trop non plus, hein, parce que c'est la combinaison de mes légumes, de ma salade et de mon lard qui va faire la différence. J'ai presque fini avec mon jus. On va pouvoir démarrer, le déglacer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai la graisse ici, bien évidemment. D'ailleurs, je vais la mettre là, ici. Voilà, je jette, là, c'est pas... Ça, on va pas le garder. Voilà. Donc, voilà, j'ai mes os et mes petites farines qui sont dans ma casserole. Là, j'ai mon vinaigre de Xérès. Voilà. De toute façon, ça se brûlait. Et maintenant, de l'eau. Bien mouillé. Donc là, je mets mon jus à cuire pendant à peu près 90 minutes. C'est le temps qu'il faut pour que les os soient cuites et la viande également, de façon à ce qu'on ait un parfum plutôt exceptionnel avec notre jus. Nous allons commencer la cuisson de nos légumes. Donc l'eau bouillante salée, j'ajoute mes légumes. Toutes les 30 secondes, je vais ajouter mes légumes, les uns derrière les autres. Et comme ça, d'ici 5 minutes à peu près, 5-6 minutes, tout sera cuit et en même temps. Donc là, j'ajoute gentiment mes navets. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon lard, fumé, cuit. Il faut juste enlever, voilà, la couenne, ici, comme ça. Hein, ça s'appelle la couenne. Alors, le lard sert à donner du goût aux légumes, à apporter un mélange qui va être subtil avec le veau et nos légumes. Donc, c'est pas pour qu'on sente que le lard. Donc, il faut pas en mettre beaucoup, suffisamment, mais pas trop. Et il faut qu'il soit coupé finement. Finement, parce qu'il faut qu'ils fondent dans la bouche en même temps que l'on mange nos légumes. C'est pas très compliqué, mais
Il faut juste que ce soit fait comme il faut. Là, maintenant, je vais ajouter dans mes légumes mes haricots verts. Je vais pouvoir mettre mes petits pois manchetous qui cuisent quasiment en même temps. Et je finirai par mes petits pois et mes pâtissons qui, eux, n'ont quasiment pas besoin de cuisson puisque les pâtissons, c'est la même famille que le concombre. Donc ça cuit très, très peu. C'est juste ébouillanté, à peine ébouillanté. Donc, je vais finir de couper mon lard en tout petits lardons. Voilà. Et c'est à peine... C'est presque une chiffonnade. Une chiffonnade, c'est coupé très très fin comme ça. Voilà. C'est presque une chiffonnade de lard. Donc ça va vraiment se lier. Ça va vraiment se lier avec nos légumes. Hein. Voilà. Alors l'intérêt d'avoir cuit notre lard à l'eau, d'avoir acheté du lard cuit, c'est que tout le côté très salé et très fumé du lard, eh ben, il a disparu puisqu'il est parti dans l'eau. Hein. Nous, on a récupéré vraiment que la finesse de notre poitrine fumée. J'ajoute maintenant mes pâtissons. Voilà. D'ailleurs, c'est très joli les couleurs parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un jardin. J'ajoute mes petits pois. Voilà. Je mélange délicatement. Alors attention, la cuisson des légumes verts, c'est toujours à l'eau bouillante, très salée, sans couvercle. Et pour les gens qui ont des soucis pour cuire les haricots verts, qui disent « Ah, oh, ben, les haricots verts, chez moi, ils sont toujours noirs, j'arrive pas à les faire verts », eh ben c'est très simple. Il faut mettre un petit peu de bicarbonate de soude dedans, une petite cuillère comme ça, et d'un seul coup, tac, ils deviennent verts. Alors, aussitôt cuits, les légumes, il faut les tremper dans l'eau froide avec des glaçons, si possible, parce qu'on va, encore une fois, on va stopper la cuisson, ce qui permettra de garder la saveur de nos légumes. Et on va fixer les couleurs sur nos légumes, parce que souvent, les gens qui n'aiment pas les légumes, c'est parce qu'ils n'en ont jamais mangé de bon. Et quand on voit des légumes comme ça, ça donne envie. Moi, j'insiste beaucoup sur la cuisson des légumes et sur la saveur. L'assaisonnement, c'est autre chose. Vous pouvez ajouter plus ou moins salé, pas de sel, etc. Ça, c'est un petit peu... Chacun fait sa petite salade. Mais la fraîcheur et la cuisson des légumes, c'est très, très important pour les enfants et pour tout le monde. Moi, je vois bien, mes enfants, c'est pareil. Hein. Ils adorent les légumes à condition qu'ils soient cuits juste, pas trop cuits. Nous allons attaquer la cuisson. C'est celui-là qui marche le mieux, je pense. Donc là, un sautoir et la fameuse côte de veau. Alors la côte de veau, vous voyez, elle est épaisse. Elle a fait un demi-centimètre, un centimètre. Si jamais elle est très épaisse, il faut la finir de la cuire au four. Donc je laisse chauffer mon sautoir et je vais égoutter mes légumes. Encore une fois, on ne laisse pas les légumes à tremper dans l'eau trop longtemps. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils vont se gorger d'eau, c'est pas du tout le but recherché. Voilà nos légumes. Ils sont très beaux, on va les laisser se reposer comme ça et s'égoutter. Je mets mon huile dans ma casserole bien chaude, du sel, du poivre. Alors on peut mettre du poivre concassé également. Hein. Moi j'aime bien le poivre concassé, ça croque un peu sous la dent et ça dégage des saveurs qu'on trouve pas nécessairement quand il est trop fin. Donc là, ma poêle est bien chaude. Je démarre. Alors, mes côtes de veau, le temps qu'elles cuisent, 5-10 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Vous avez donc commencé par faire un jus de veau. Encore une fois, n'hésitez pas à en faire suffisamment. C'est excellent avec un poisson, par exemple. Vous faites vos légumes juste cuits en les sondant avec un cure-dent et en les plongeant ensuite dans un bac d'eau glacée. Vous lancez vos côtes de veau qu'il faudra laisser reposer quelques minutes après la cuisson. C'est très important. Alors, nous avons notre côte de veau qui est en train de se reposer, nos petits légumes, notre lard, le jus et notre salade que je vais couper, voilà, en morceaux ici. Donc, je finis couper ma salade. Je vais passer mon jus de veau. Mon jus de veau est bien passé. Alors surtout, hein, quand on a cuit la côte de veau, il ne faut pas jeter ce qu'il y a dans le fond de la casserole, parce que toute la saveur de la côte de veau est dans le fond. Là. Toutes les sucs de viande sont restés collés dedans. Alors maintenant, nous allons mélanger notre petit jus dans la casserole, faire en sorte que tous les sucs de viande soient décollés. Je vais ajouter le petit jus des côtes de veau qui s'est égoutté, hein, pendant que la viande reposait, n'est-ce pas? Il faut absolument laisser reposer la viande, quelque viande que ce soit d'ailleurs, pendant 5-6 minutes
avant de manger pour plein de raisons. D'abord, vous allez détendre les chairs et tout le sang va ré-rentrer à l'intérieur. Et ça vous évitera, à partir du moment où vous coupez votre viande, d'avoir tout le sang qui coule dans l'assiette, ce qui arrive régulièrement. Et ce n'est pas du tout agréable. C'est juste parce qu'on a cuit la viande, on l'a servie immédiatement et ce n'est pas ça du tout le but recherché. Hein. Donc là, vous voyez, j'ajoute mon lard dedans. Je mélange. Alors là, il y a vraiment un échange, un phénomène d'osmose, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre le jus de veau, les légumes, le lard, tout se marie ensemble. Voilà. Là, je vais ajouter au dernier moment mes petites feuilles de salade. Et là, maintenant, on va dresser notre côte de veau. Donc voilà, maintenant, on va faire quelque chose de beau. On va pas faire un truc minable, surtout. Quelque chose de très sympa, d'appétissant et de léger en même temps. Hein, léger parce qu'il n'y a ni crème ni beurre dans notre recette. Hein. C'est uniquement du jus de veau, de l'eau, des légumes, du lard, du veau. Très simple, très bon. Très frais et très de saison en plus. Donc là, ma côte de veau, je coupe comme ça. Ici. Alors le gras de veau, c'est très bon. Le gras, ça apporte le goût. Pas de gras, pas de goût. Donc voilà, notre os, ici, nos légumes. Alors j'ajoute un petit peu de tous les légumes. Plat quand même plutôt traditionnel. Hein. Les légumes à la française, c'est vraiment la grande cuisine traditionnelle française, comme son nom l'indique. Donc nous, on a revisité surtout ce plat par la légèreté. Et là, je mets mon jus. Alors, la qualité du produit se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter 50 000 choses dans cette recette. Donc voilà, notre côte de veau avec les petits légumes à la française. Nous allons maintenant passer à notre dessert, le traditionnel pain perdu aux fruits rouges et à la vanille. Alors, pour faire cette recette, il nous faut bien entendu du pain, des fruits rouges, un morceau de beurre, du lait, à peu près 1 demi-litre, 2 œufs, du sucre, du miel, 2 gousses de vanille et un tout petit peu de farine. On va faire ce qu'on appelle le lait de poule. Alors le lait de poule, c'est des œufs entiers. Alors à peu près pour 3 tranches, 4 tranches de pain, c'est à peu près ce qu'il faut. Hein. Donc 2 œufs entiers qu'on va battre tranquillement. Voilà. Pour casser les blancs, comme ça. C'est pas la peine non plus de fouetter de trop. Là, je vais ajouter le miel, 2 cuillères à soupe, dirons-nous. Hein. Alors, si vous n'aimez pas le miel, vous n'en mettez pas. Hein. Vous pouvez mettre directement que du sucre, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, je mélange. Parce que je vais rajouter un peu de sucre après. Et pendant la cuisson, ça nous servira à faire la caramélisation de notre pain perdu. Et là, j'ajoute le lait, voilà. Et ça nous fait le lait de poule. Et là, je vais ajouter mes bâtons de vanille. Je vais extraire le maximum de saveur de mes bâtons de vanille. Je mélange gentiment, voilà. Donc maintenant, on va tailler le pain. La façon dont on va tailler le pain a toute son importance. Pourquoi ? Parce que je vais tailler mon pain en biseau, comme ça. Parce qu'à partir du moment où il va rôtir, on va pouvoir le retourner de chaque côté. On a notre morceau de pain. Et là, c'est une opération qu'on peut faire 1h30, 2 heures à l'avance. Donc, comme ça, on est tranquille. Et le pain a le temps de s'imbiber tranquillement avec notre marinade. Voilà, on met nos petites gousses de vanille. Non seulement, il va être parfumé avec la vanille, parfumé de miel, hein, et parfumé avec le lait et les œufs. Alors, c'est une opération qui prend un peu de temps. En fonction du pain, c'est-à-dire plus le pain est sec, plus ça prendra du temps, évidemment. Moi, je me suis un petit peu avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. L'important de la marinade, c'est qu'il faut que le pain soit imbibé du lait de poule, mais que la croûte reste moelleuse, mais un peu ferme. Ça, c'est la chose la plus compliquée dans l'histoire. Donc, ici, une fois que c'est fait, très délicatement, vous allez prendre avec une spatule, comme ceci, le pain, et vous allez l'égoutter sur une grille, voilà.
pour enlever l'excédent de lait qui va s'égoutter tranquillement. Ça, c'est une opération qu'on peut faire, je dis, même une demi-heure, une heure avant de manger, avant de faire notre pain perdu. Le pain perdu, c'est une recette qui a été bien faite, mal faite, tout le monde l'a faite dans le monde entier. Là, on va faire un vrai pain perdu. Nous. On va mettre maintenant un petit peu de farine. La farine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de souder les tranches de pain ensemble lorsqu'on va les faire rôtir. Là, il ne faut pas mettre beaucoup de farine, juste un petit peu pour dire... Voilà, ça va se lier ensemble. Voilà. Donc, je prends ma tranche, je la retourne ici. Je fais cuire gentiment ma tartine. Là-dessus, j'ajoute un petit peu de sucre. Alors là, je vais arroser un petit peu ma tranche de pain. Alors c'est une opération quand même délicate, hein. Il faut faire attention. Voilà, alors notre pain, on voit bien, ça chante, ça brunit. Hein. Alors vous n'avez peut-être pas la chance de le sentir, comme moi. Mais je peux vous garantir que là, ça va être beau ça. Alors on va le laisser cuire, à peu près, pendant 4-5 minutes. Tranquillement, et ensuite on va le retourner et on va l'arroser. On ajoutera ensuite la vanille. Après quelques minutes de cuisson, vous rajoutez les bâtons de vanille sur le pain perdu. Ainsi, ils vont rôtir et parfumer le dessert pendant sa cuisson. On le voit bien là, le pain perdu, comment il est gonflé. Il ressemble presque à un soufflé. Voilà, il est devenu léger, appétissant. Alors, maintenant on va le dresser. C'est une opération délicate, c'est très chaud. Et là maintenant, je vais ajouter mes petits fruits rouges. On peut en mettre un petit peu comme ça. Là, c'est une question de goût, une question de saison. Alors, si on n'aime pas les fruits rouges, on met autre chose. Mais qui n'aime pas les fruits rouges, n'est-ce pas? On peut mettre des figues, par exemple. C'est quand c'est la saison des figues. Et là, pour couronner le tout, on va mettre une boule de glace vanille. Là, on va faire les quenelles de glace vanille, voilà. Et voilà, notre pain perdu à la vanille et aux fruits rouges. Et un petit rappel sur notre menu du jour, une salade de moules avec les cocos, assaisonnée avec une petite mayonnaise au jus de moule, une côte de veau avec les légumes à la française, une recette traditionnelle remise au goût du jour, et un excellentissime pain perdu aux fruits rouges avec une boule de glace vanille. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus, et moi je vous dis à très vite. Salut !